Hey, salut tout le monde, ici Azarat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pas de webcam, pas de webcam, vous n'aurez pas ma tronche parce que bon, j'ai refait des petites manips sur Shadowplay, etc. Et bon, là c'est Total War, il n'y a pas forcément besoin de voir ma gueule à longueur de temps. Donc voilà, on se retrouve sur Total War, Warhammer, il est sorti et c'est une petite bombe. Moi je l'adore. C'est un renouveau du Total War, franchement, c'est du jamais vu. Les unités volantes, les grosses bébêtes, la magie, le changement de gameplay complètement ouf en fonction de la faction qu'on va prendre. Par exemple, les hordes du chaos ne peuvent pas avoir de ville. C'est, voilà. Il y a plein d'aspects comme ça qui sont changés. Franchement, c'est dingue. Bon, on va peut-être pas commencer une campagne. Ouais, quoique. Attendez. Oh, si. Allez, un petit début de campagne. Voilà. Un petit début de campagne tout pépère. Donc, on a le choix entre ces factions. Alors, je crois que je peux avoir les guerriers du chaos. Tout simplement parce que j'ai précommandé le jeu. Alors, je ne sais pas si vous l'achetez maintenant, là, tout de suite. Je ne sais pas si vous aurez les guerriers du chaos. Donc, définitial difficile, hein. Vous voyez le style de jeu des différentes factions. Alors, forteresse d'unité avec infanterie, armure et monstre. Option lance-projectile très limitée, patati patata. Forte pénalité diplomatique, en même temps c'est normal. Commerce impossible et l'économie dépend largement de la mise à sac. Donc, exemple, hein. Horde, la faction n'a pas de colonie. Les améliorations militaires et d'infrastructures sont liées à chaque horde individuelle. Donc, vous imaginez un peu le truc, ça n'a rien à voir avec le système de recherche ou quoi des anciens Total War qui sont tous semblables en fonction de la faction. Là, l'Empire, voilà, on peut avoir des colonies, mais on peut aussi attribuer des seigneurs hein, qui peuvent être assignés à des fonctions qui leur accordent un titre et des bonus uniques. Voilà, il y a plein de choses comme ça entre les factions, c'est complètement ouf! Alors, on va faire un petit début de campagne avec. Je crois que j'ai jamais fait les nains, mais franchement, les nains, ça ne me dit rien du tout. Je suis pas très nain, moi. Hein. Moi, les nains, ça me. Voilà, là, juste avant que je commence, oui, je sais plus si je l'ai dit, je m'emmêle les pinceaux. Samedi soir, je suis en live dessus. Vous pouvez voter, il y a un Stropole. Dans la description, avec quelle faction je vais faire la campagne. Voilà, une campagne en live samedi soir à 19h. Donc votez. Vous avez le choix entre ces 5 factions. Votez, allez-y. De toute façon, elles sont toutes sympas à jouer. Les nains aussi, hein, de toute façon. Quand on regarde un peu leur style de jeu, etc., les mécaniques de faction, ça a l'air sympa. Après, moi, ça m'attire pas trop, les nains. Allez, on va faire un. Allez, peau verte. Peau verte, allons-y. Allons-y avec les peaux vertes. Donc, une fois que vous avez choisi votre faction, vous pouvez choisir votre commandant. Donc, le héros avec lequel vous commencez, qui a des unités de départ et des effets pour la faction, etc. Il y a plein de petites choses. Donc, moi, je vais prendre ça parce qu'il a cette unité de départ là que j'adore. La catapulte à plongeur de la mort, c'est complètement pété! On peut activer l'introduction, donc l'introduction ça permet de faire une petite bataille, un peu tuto. On va le faire, comme ça vous verrez un peu tout de suite la baston, et c'est cool. Donc quand on commence une campagne avec une des factions, au début on se bat surtout contre d'autres de la même race que la nôtre. Par exemple là ça va être d'autres factions orques un peu dissidentes. Ici c'est des factions humaines qui sont pas d'accord avec l'empereur. Là c'est un comte vampire, un rival, voilà, etc. On peut. Ça nous met un peu dans le bain. On va commencer. Par contre, bon. Les chargements sont un peu longs. Je sais pas si c'est dû à ma config. Pourtant, voilà. Une config pas trop dégueulasse. Hein, 8 Go de RAM. Bon, 8 Go de RAM, faut peut-être que j'en rajoute un peu. Mais je crois que c'est surtout mon disque dur qui est un peu merdique. Mais bon. On va faire avec, hein. On va faire avec. Donc là, je laisse tout, je fais pas de cut, hein, les temps de chargement, tout ça, pour que vous puissiez voir vraiment le jeu en lui-même.
Ce serait mentir sur la marchandise. Ah, vous avez les petites citations en orque écrites comme des. Voilà. Ah, à chaque fois, c'était les citations historiques, hein, forcément, dans les autres Total War. Et là, c'est des citations propres à l'univers Warhammer. Et il y en a qui sont bien fandards quand même. Bon, les voix en bataille sont en anglais, alors c'est un peu dommage. Donc on va passer. C'est un... Oui. Vous voyez par vous-même, effectivement. Les forces commencent l'attaque. Par contre, est-ce que je peux mettre pause? Ah, il n'y a pas la pause sur le champ de bataille, là. Pour cette bataille-là, il n'y a pas la pause. C'est l'arnaque. Alors... Ouais, d'accord. Ah oui, ça c'est moi, ça. Ouais, je me fais un peu taper dessus là, je crois. Oui, on va rejoindre la bataille en personne. Ouais, ça commence à tirer de partout. Wow! Ça va, il est bien installé, lui. Bon. Donc ça se fight, hein. Nous, on va avancer en même temps que les copains. Oui, je disais donc, les voix sont en anglais en bataille, c'est un peu dommage, étant donné que la voix du conseiller est en français, la voix des cinématiques est en français, mais en bataille, c'est en anglais. Oui, merci. Alors, je me fais tirer dessus, mais bon, lui, voilà, il tient le coup, hein. Faut pas déconner non plus. Bon, mes troupes aussi, je pense, c'est des co... Ouais. Allez! À l'attaque! Alors lui, il est chaud. Ouais, il a bouffé. Il a bouffé un mec. Chargé! J'ai une compétence, c'est quoi ça? Wag. Ok, optimisation de zone. Voilà, baston d'orque. Donc chaque début de campagne pour toutes les factions, c'est comme ça. On se bat d'abord contre la même race que la nôtre. C'est des sacrés bagarres hein, quand même. Hein. C'est du Total War, quoi. Faut pas... On peut pas test. Hein. L'ennemi fuit la bataille. Ok, on peut rentrer? Toc toc. Ah, ils m'ont donné d'autres unités à commander, d'accord. Ah merde, ils ont fermé la porte. Oh. Petite tour de siège qui traîne là. On va monter par là, hein. Bah s'ils veulent bien. Sinon on se fait canarder pour rien. Allez, on s'active. Et l'artillerie qui pilonne. On va mettre les archers ici. D'ailleurs, c'est quoi ça? Si, ouais, archer orc. Ok.
Allez, copain. Ok, il y a Cortana qui s'énerve. Windows 10. Ils peuvent tirer d'ici ou pas? Ah, dites pas que vous pouvez pas tirer, bande de blaireaux. Bah si, là, allez. Oh. Oh là 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 là. Bon, allez, on se dépêche. C'est qui, ça? Allez, on monte. Ouais, ouais, je peux inspirer les troupes, je sais. Ah voilà, les troupes arrivent là, ça y est. Enfin bon, ils ont déjà fait le ménage, mais voilà. L'important, c'est de participer, comme on dit. Ah. L'artillerie orc dans toute son excellence. Oh. Ok, donc lui il fuit, on va aller là-bas, ils ont besoin de renfort. Alors casse sa gueule. Boum. Donc là, le jeu n'est pas en ultra, je précise. Hein. Le jeu n'est pas en ultra. C'est en élevé, entre élevé et ultra, quoi, on va dire. J'avais baissé un peu parce que je ne faisais que... Bah là, je ne fais toujours que 30 FPS, d'ailleurs. Ouais, faut que je regarde ailleurs, hein, tout simplement, pour faire plus de 30. Je suis à plus de 30 FPS en bataille, mais là, vu que c'est un siège avec tous les bâtiments qu'il y a autour... C'est un peu plus compliqué. Mais voilà, je suis un... Voilà, c'est largement jouable, hein. Il n'y a aucun problème, quoi. J'ai eu aucun souci avec le jeu. Sauf au démarrage, il y a eu quelques petits bugs. Allez, chargez, là. Il se barre? Il se barre, ok. On va tout de suite se diriger... Oh là, putain, mes unités, elles ont pris cher, en tout cas. Hein. Elles ont bien pris cher comme il faut, quoi. On va tout de suite descendre. Ici. On va déjà attaquer ça, parce que là, ça ne va plus. On va descendre dès qu'on peut. Ah ouais, d'accord, je comprends pourquoi j'ai pris cher. Allez, voilà, c'est ça, on descend... Tac, tac, tac. Voilà, faut se diriger au centre de la cité pour la capturer. Oh putain! Des trolls. Oh merde! Ça pue par contre. Les trolls, bobo. Quand même. Voilà, là, on bute déjà cette artillerie parce qu'elle nous faisait bien chier. Oh les trolls! Oh! Aïe! Aïe! Oh la vache, putain! Ça va que les orques sont costauds, hein. Ça aurait été contre des humains. Il y en a quelques-uns qui auraient fait un joli vol plané, je pense. Aïe, 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 je vais avoir besoin de mes archers. Je vais les amener ici, hop, le plus possible. Ah, il y a le copain qui est venu là pour mettre un petit coup de boost. Je vais le faire aussi, tac. Là, on est chauffé à bloc. L'unité de troll est toujours là. Le commandant ennemi a rejoint la bataille.
Il a des troupes montées. Les trolls se tirent. Bon, on va se diriger vers le centre. Ah, c'est ça, ces troupes montées. Ah, mais il est là, d'accord, il est là, le commandant. Allez, chargez. C'est des orques sur des sangliers, d'accord. Pour l'instant, ça va. Mes unités en ont pris plein la gueule, par contre. Mais ça va, ça passe. Il y a pire. Allez, un petit coup de... Hop. Voilà. Le commandant. On voit rien avec toutes les auras de magie là. Ah oui, le vlog. C'est le mec qui était dans la cinématique là. Duel de héros ou quoi? Ou qu'est-ce qu'ils font? Allez, pète lui sa gueule là. Voilà. Ah, il se replie déjà? Ah non. Bon, il se défend tant bien que mal, mais il a un peu submergé le mec. Pas qu'il en prend plein la gueule, mais un petit peu quand même. Ouais, victoire, le pic noir nous appartient, c'est génial. Victoire à la Pyrrhus. L'ennemi vous a coûté cher, méritez-vous de crier victoire. Oh, ça va. C'est pas non plus, voilà. Faut pas déconner. Sinon, comme faction, j'aime bien les contes vampires. Ils sont sympas. Étant donné qu'ils peuvent ressusciter les morts. Et que leurs unités ne fuient pas le champ de bataille. Leur système de morale est complètement différent des autres. Quand ils ne vont plus avoir de morale, ils vont avoir des pertes, en fait. Et il y en a qui vont s'effondrer. Moins t'as de morale, moins tu peux garder tes armées squelettes et morts-vivants debout. Et en fait, ils vont, au fur et à mesure, s'effondrer tout simplement, comme ça, crever tout seul. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet de d'avoir de la chair à canon pas chère, et de lever des armées assez vastes et vite. Et pouvoir les envoyer au casse-pipe sans en ayant rien à foutre, quoi. T'envoies 2-3 armées de zombies, t'es tranquille. Et ça qui est bien. Le voilà. Pic noir vous appartient, mon brutal seigneur. Corfang, l'imposteur, et sa misérable tribu se retirent pour lécher leurs plaies. Le monde est prêt à être conquis. Les terres arides sont dominées par des tribus inférieures de peau verte. Mes mouchards me disent que Corfang s'est retiré vers un autre de ses bastions, au Rocher de Fer. Même maintenant, il rassemble ses forces contre vous, seigneur sauvage. Donc voilà, c'est le tuto, il nous montre un peu les mouvements de caméra, en zoomant sur des villes, et en nous expliquant, voilà. Conserve une forteresse au chagrin de Valaya, à partir de laquelle ils peuvent lancer des attaques contre vous. Elle doit tomber. La tribu de la Lune Crochue a accepté de rester la Lune Crochue contre les Crocs Rouges. Le temps nous dira si elle tient parole. Et dans le cas contraire, elle connaîtra la fureur de Grimgor. Donc ça c'est fait. On ne peut pas laisser Gorfang tranquille derrière ses murs à lever une autre armée. Le temps est venu d'agir contre ces bastions. Sectionnez l'armée de Grimgor. Ordonnez à vos immortels d'avancer. Bien. Les Crocs Rouges seront sans doute alertés de... Oui. Vos forces restent affaiblies par le combat, monseigneur. Pourtant, d'autres peaux vertes inférieures sont attirées par votre puissance. Ah. Ainsi, une armée devient une oie. Recrutez ces nouveaux venus.
Ils seront prêts à prendre part au combat à venir. D'accord. Alors le pic noir. Quoi ? Sélectionner. Ah non, je suis obligé de faire ça, d'accord. Recruter les unités. Boys, orcs, gobelins. Quoi, c'est tout ? Encore. Excellent choix. Ils vont commencer. C'est le tuto. J'hésite à attirer votre attention vers des affaires aussi banales, Seigneur Grimgore. Mais vous devriez songer à améliorer votre infrastructure maintenant que vous dominez le pic noir. Le système d'amélioration et de bâtiment. Améliorer vos infrastructures d'entraînement vous permettra de rassembler de c'est grosso modo le même système que les autres Total War pour les bâtiments. Chaque colonie a 2-3 bâtiments comme ça. Et au fur et à mesure, en les améliorant, on débloque des unités. Mais là, je trouve que l'interface est particulièrement mieux faite que sur les anciens Total War. On peut voir les unités comme ça directement. C'est vachement cool. Franchement. Et là, on peut voir les arbres, des bâtiments, tout ça. Enfin, il y a vachement de trucs. Hein. Standard du chef. Il y a énormément de choses. Et chaque bâtiment est différent en fonction des factions, bien sûr. Donc là, c'est quoi? C'est un terrain de bagarre. La bagarre! Ça fait la bagarre. Archer gobelin et archer orc. Oh, ça, c'est bon, ça. Excellent. Construction va commencer immédiatement. Voilà. La patience n'est peut-être pas votre point fort, Seigneur Grimgore. Mais vous ne pouvez rien faire de plus pour le moment. Attendons la prochaine action de Gorfang. Donc là, en gros, il dit passer le tour. Voilà. C'est du tour par tour, c'est Total War. Mais les tours sont quand même... Ah, les crocs, oh, les plats. Les crocs rouges. Les crocs rouges ont envoyé une unité vérifier votre avancée. Ils ont envoyé une unité. Une unité. Changement de vent de magie. Alors oui, il y a un système de vent de magie qui nous donne plus ou moins de points de magie quand on commence une bataille. Si les vents de magie sont favorables, on a plus de magie, donc on peut plus bombarder la gueule de l'ennemi. Si c'est pas trop favorable, voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est le Wa. Une fois que la compatibilité de cette armée atteint 80, et si l'armée compte au moins 17 unités, une nouvelle Wa arrivera pour lui prêter main forte au combat. Donc en gros, ça fait spawner des unités alliées, contrôlées par l'IA. C'est une particularité des orques. Eh, on va lui péter sa gueule à celui-là. On va faire ça vite fait. Et puis après, je pense qu'on va s'arrêter là. Après cette petite bataille. Anti-infanterie, très rapide. Ah, ils ont des chars. Ils ont des chars. Chars à loup gobelin. Ça a l'air sympa. Il y a des archers dessus et tout. Alors moi, j'ai que de l'infanterie et tout. Ah non, j'ai mon artillerie. Ah oui. Ah bah oui. J'ai mon artillerie de gobelin, là. Faut que je teste. Faut que je teste. Je teste un truc. Bon, le chargement. Allez. Voilà. Merci. Ah, on a la carte stratégique. Qui est pas mal, franchement. Pas mal du tout. Ça peut bien permettre de gérer les déplacements de cavalerie, etc. On va reculer nos troupes, on va les laisser venir. Voilà, ça c'est notre infanterie, tac 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 tac, tac tac, hop, on va faire ça, hop, ça c'est les archers, ça c'est quoi ça? Orc sur sanglier, c'est la cavalerie, on va la mettre là, et notre petit, voilà, ça c'est bon ça. C'est quoi ces unités là? Orc noir. Wow! Ah, ils sont bien armés ceux-là. Ah, ils sont chauds patates là! Les petits gobelins. Allez, c'est parti! Là, normalement, si j'appuie sur insert. Oh, magnifique! Oh, je dis oui. Je dis oui. Franchement. Je peux tirer? Comment je fais pour tirer? Alors zoom, clic gauche, feu. Ah, ben. Ah oui, ça y est.
Waouh! D'accord, je peux monter, descendre. Moi, je finis tout de même par tomber comme une merde. Je crois que je suis trop loin. Ouais, je suis trop loin. Faudrait que je les rapproche un chouïa. On va voir la portée. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé au bout de la portée, d'accord. Bah, je vais les rapprocher un peu. Je vais les mettre là. Je vais approcher mon infanterie. On va faire comme ça. Tac. Hop. Approcher les archers. On va les mettre là. La cavalerie. On avance les troupes. On va accélérer. Oh là, ça bouge là. Oh là, ça bouge. Allez. Je vais attaquer leur char avec ma cavalerie. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais les chars, ils, voilà. Ils sont costauds, donc je préfère les attaquer tout de suite. Là, je les envoie un peu au casse-pipe, hein, les chevaucheurs de sanglier, mais bon. Ah, je me fais déjà tirer dessus. Ah, il s'est replié, salaud, tant pis. Allez, go. Oh, oh la vache, nom de Dieu. La charge de bourrin. Ah, ça y est, ça tire. L'artillerie. Feu! Mais feu! Mais feu! Il veut pas tirer. Ah, il recharge! Allez. Quoi? J'aime pas ça. Allez, feu! Voilà! En plein dedans! Boum! Ouais, on va gérer un peu nos troupes parce que là, je crois que mes archers, voilà, se font légèrement défoncer. Ah non, il y a mon héros. Ça va. Bah, attends, on va attaquer direct leur chef. Tous dessus. Tous dessus. On va quand même envoyer une troupe. Ah non, ça va. Non, ça va. Ils ont géré. Ils ont géré. On envoie nos troupes d'élite. Ouf, sur leur chef. On va nettoyer un peu tout ce qui est gobelin. Boum! Oh là là, comment ils volent! Par contre, ouais, ma troupe de sanglier s'est fait défoncer. C'est normal. V6 normal. Oh, les chars. Ça continue de... de harceler l'ennemi à coup de gobelins volants. Boum. Alors, c'est bon, les lanciers se replient. On va prendre le héros, machin. On va commencer à attaquer tout de suite. Tout de suite. Allez, allez, allez. Allez, on... Oh, puis, allez, c'est parti. On y va, on leur fonce dans le lard. Bougez-vous, votre gros cul. Oh. Ah mais ouais, ça va être chiant. Ils ont plus que des archers et tout, là, ça va être hyper chiant. Étant donné que j'ai plus de cavalerie. En fait, là, je peux compter que sur l'artillerie, c'est un peu... c'est un peu la merde. Mais qu'ils sont en mode escarmouche, ça va être très chiant. Ah! Elle s'est reformée, la cavalerie. Allez, go! Il n'y a plus grand monde, mais ça va le faire. Wow, les tirs à mille.
Ok, il y a une unité de lanciers qui s'est reformée. On va défoncer. On les a rattrapés. Ah bah c'est bon, là ils se replient définitivement je pense. Et les petits gobelins lanciers là, ouais. Labourage de gobelins. Ouh, il y a le chef ennemi qu'on a après mes archers. Alors c'est bon, là quand le drapeau est blanc comme ça. Ah ben voilà, victoire. Terminé la bataille. On termine la bataille. C'est une victoire décisive. J'ai perdu 100 hommes. Ils en ont perdu 328 sur 515. On aurait pu faire mieux. Mais ça va, j'ai pas eu énormément de pertes à part ma cavalerie, mais c'est normal. C'est la chair à canon. Victoire décisive. Donc là, on a plusieurs choix hein, qui s'offrent à nous quand on... Quand on vainc une armée ou une colonie, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Là, on peut demander une rançon pour les prisonniers, hein, massacrer les prisonniers ou, particularité des orques, manger les prisonniers pour gagner, soigner un peu nos unités. Et ça, c'est différent pour chaque faction. Hein. Chaque faction a vraiment ses propres actions. Donc ça c'est cool. Moi je fais manger les prisonniers. Voilà. Ça t'apprendra. Mission succès, voilà. Et j'ai gagné un point de compétence. Gorfang pense peut-être que sa forteresse au rocher de fer lui servira d'abri. Mais... Oui. Alors j'ai gagné un point de compétence avec mon chef. Tac. L'arbre de compétence de ce héros. Donc maître d'épée. Maître d'épée, allez, maître d'épée, go pour maître d'épée. Alors, allez, voilà. Ça augmente un peu l'attaque en mêlée et l'armure, donc c'est cool. Voilà un peu le début de campagne des orques de Warhammer Total War. Donc, je vais vous laisser ici, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu le jeu, à quoi il ressemble surtout, et pour vous expliquer un peu de trois éléments de gameplay. Qui change complètement, mais alors, mais des anciens, avec toutes les unités volantes, la magie et tout. Là, vous n'avez pas vu grand chose, étant donné que c'est un début de campagne et qu'on n'a pas énormément de compétences, d'unités d'élite, etc. Mais je vous promets qu'il y a des trucs complètement ouf, il y a des bestioles de malades. Bref. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas, il y a le Stropol dans la description, vous pouvez voter pour quelle faction je vais prendre samedi soir en live à 19h. Donc n'hésitez pas à aller voter, et on se retrouve très bientôt, bah, samedi je pense, ou alors si je fais une vidéo avant, je ne sais pas. En tout cas, on se retrouve très bientôt, je vous souhaite à tous bonne soirée, bonne journée, je vous dis à la prochaine, c'est Hazard pour Gaming for Fun, ciao tout le monde!